team, j'espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va. Aujourd'hui, je suis avec ma complice. Une vidéo qui la concerne. Ouais. Voilà. C'est elle qui a choisi sa décoration. Je respecte le thème. Ma fille, elle voulait partir sur tout ce qui est naturel, que vous connaissez. On va vous les présenter. Donc, j'ai dit pourquoi pas ne pas faire la vidéo avec elle-même, puisque voilà, c'est elle en fait qui a l'idée. Je suis que là pour accompagner. Mais comme il y a du bricolage à faire, on a besoin de son papa. Donc voilà, le papa aussi va participer un tout petit peu pour nous donner un coup de main. Si vous êtes là pour la première fois, moi je m'appelle Lancia, je suis maman de 5 enfants. Il y a du boulot, hein. 5 enfants. Donc sur ma chaîne, on parle de la motivation ménage, de la décoration, lifestyle, retour de course. Voilà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à partager pour ne rien rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Mama Famille Nombreuse. Sans plus tarder, on va faire le petit tour de avant, oui, parce qu'ici c'est la réalité. Ici, il faut montrer les choses telles qu'elles sont. Et après, on va passer au rendu final. Voilà, let's go. Donc, du coup, on va commencer par le portant. Vous voyez le bordel. Hein? Donc, voilà, tout ça va être classé. Les cartons. Donc, pour les personnes qui me suivent, ils savent qu'on est en plein aménagement. On a déménagé, ça fait 2 mois. Donc, on est en train de faire pièce par pièce. Chose qui n'est pas justement facile. Mais bon, par la grâce de Dieu, on va y arriver. Donc, du coup, là, il y a tout le bordel. Donc, dans ces sacs-là, il y a tout ce qui est mèche et tout, des rajouts et tout. Voilà. Donc, on va s'organiser tout ça. Regarde-moi le bordel. Regardez les bordels. Regardez. Regardez, ça fait 3 sacs. Voilà. Il y en a partout. C'est des mèches. Donc, garder des mèches dans des conditions comme ça, franchement, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ça, c'est pas un rangement. Voilà, ça, c'est pas du tout un rangement. Voilà, donc avec vous, je vais vous montrer comment on va faire des choses mieux. Voilà, donc j'ai acheté ces bacs-là. Bon, c'est pas cela. C'est quand même mieux. On les mettra dans les bacs comme ça. Après, donc il y a des affaires dans le carton, les placards. Voilà, voilà. Voilà, donc tout ça, ça va être organisé. Voilà, j'ai opté pour des cintres en bois, je trouve ça joli. Voilà, comme ça, pour arranger ses... Voilà, donc il y a les cartons, il y en a un peu partout et tout. Bazar. Donc, bazar total, bazar, la réalité, la vraie vie. Voilà, c'est celle-là. Donc du coup, le rendu va vous épater. Ne vous inquiétez pas. Donc du coup, là... On a pris ça et à la fin de la vidéo, je vous dirai d'où vient chaque article, comme d'habitude, pour vous donner des idées, des astuces. Voilà, c'est le but de la vidéo. Voilà, donc elle veut partir sur une décoration naturelle, comme j'ai dit. Voilà, elle veut retirer ça. Elle m'a dit que c'est pas joli. Trop moche. Sur une suspension comme ça. Après, un miroir, des petites choses comme ça, des fleurs, ça elle a commandé sur AliExpress, voilà, donc voilà, il y a des rideaux qui sont déjà installés pour avancer, bon regardez, donc ça, ça va être viré, ça là, ça va être viré, voilà, donc ça c'est quelques draps. Et on a le bureau, voilà, et on a des étagères. Donc, on aura besoin de mon mari pour nous poser ces étagères-là. Voilà, donc on va les poser ces étagères-là. Sans plus tarder, le boulot commence. C'est parti. Là, vous voyez le mur, il est tout simple et vide. Donc justement, on va essayer de
pouvoir mettre quelque chose. On va mettre les étagères là. Et bah, restez là, restez connectés. Vous allez voir ce que ça va donner. Ouais. C'est tout là, là, jusque là. Et puis ça a commencé, là, ça a tombé, ça fait joli. Pour moi, personnellement, c'était ça. Je le vois pas, mais tu vois, le mur, il est trop long après. Moi, je le voyais plutôt ici, de là jusqu'ici. Tu descends tes fleurs et là, tu mettais tes miroirs, des étoiles. Ici, tu faisais tes étoiles. Ça, on met ça où? Moi, je le voyais en haut ici. C'est bizarre, non? Juste là, portant, oui. Et puis là. Ici. Ouais, ici, tout à fait, ça va. Moi, je voyais ça là-bas. Mais après, un peu plus beau, justement, pour qu'on le voie. Franchement, ouais, moi je sais pas, Maxime, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est des fleurs que ma fille elle a commandées sur AliExpress. Ça se fait très souvent. Donc, du coup, elle pensait le mettre tout au long du mur là. Vous voyez, là où il y a le lit. Elle comptait le mettre là. Bah, après, moi je me dis, vaut mieux qu'elle utilise le petit mur là-bas. Vous voyez, je trouve ça, ouais. Ça fait plus joli qu'elle utilise le petit mur là, justement pour pouvoir les suspendre. Bah, vous allez voir, je vais vous montrer comment c'est. C'est des fleurs artificielles. Hein. Ça attaché. Là, c'est tout qui est attaché. Non, mais ça. En fait, ça va s'aligner. Donc, on a pris ça chez Action. 14,99€ il me semble. Donc ma fille elle voulait coller ça tout autour justement. Voilà, ça va faire des lumières, bah LED. Vous voyez, j'ai pris celle en blanc, j'ai pas pris celle colorée. Que ça soit un peu lumineux. Voilà. C'est ça. Donc elle veut un peu que ça soit. Voilà. Elle veut avoir une chambre toute lumineuse. Avec des LED. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà, j'ai su de me faire ça. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça ou tout en bas? Tout en bas, ici. On décalait par contre. Ouais. Voilà, c'est pas mal, je trouve, comme ça. Ce qui me plaît en fait, c'est le détail, le design. Les bordures qui sont en chromé comme ça, en fer, j'aime bien. Ça donne un bon rendu. Voilà. Donc comme ça, le haut, ça peut aussi permettre de poser tous ces cahiers et tout. Et la petite planche pour poser un peu son petit maquillage, quoi, on va dire. Moderne, elle veut la tendance, voilà. Avec la suspension. Je vous montre la suspension. Elle veut des choses modernes. Voilà, celle-là, osier naturel, chic, cosy, chaleureux. C'est ça qu'elle veut. Mais tu peux couper la ficelle, ça se coupe. Hein. Bah, il faut que t'en laisses parce que la tendance, faut laisser un peu le fil qui prend un peu. Oui, oui, c'est attends. Ça la tendance en fait. Tu peux pas tout rentrer. Déjà, si c'est comme ça, c'est grand. Si je les mettais un peu dans mes toilettes, ça ferait pas de mal. Ça va pas. Ça va jusqu'à là. Où là, c'est. Voilà.
Ouais, ça fait joli. Quand tu allais compléter le reste, ça savait pas faire. Ça fait très très joli, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Du coup, j'ai mon gros pull là, j'étais partie dans le garage, il fait froid, bah, quand je suis revenue, je ne l'ai pas enlevé. Écoutez, voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Comment voulez-vous qu'on les dispose, les trois miroirs? Qu'en pensez-vous? On est ensemble, hein, donc j'ai besoin de votre avis. Hein. Hein, c'est vrai. Allez, ma team, est-ce que comme ça, ça va? Peut-être pas. Est-ce qu'on décale? Je ne sais pas. On a du mal là. Comment on va faire? Comment on va faire? Donc du coup, dans le carton là, il y avait des vêtements d'été. Donc j'ai acheté les deux bacs là de chez Action. J'en ai acheté deux. Justement pour ranger des vêtements d'été. Voilà, donc elle a mis ses affaires d'été dedans. Au lieu de garder les cartons dans les placards, je trouve que c'est pas propre. Donc ça, ça va être jeté. Voilà. Là, elle a bientôt fini de ranger ce que je veux faire. Vous voyez, comme je disais, on avait déjà mis les étagères. C'est... La vidéo, elle n'est pas faite en une journée, en plusieurs jours, justement. Voilà, il y a déjà le bordel. On a posé. Donc, on va faire ça en ordre. L'ordi est déjà placé. Là, à côté, justement, c'est pour qu'elle fasse ses devoirs. Il faut un peu de place. Donc, on va ranger. Voilà. On va ranger avec vous. On va ranger tout ça. On a fait le tri des cintres noirs. On a remplacé tous les vêtements par les cintres en bois. Voilà. Alors ma team, donc là j'ai aspiré dans les placards ce que je veux faire. J'ai d'autres bacs de rangement que j'avais acheté chez Action pour pouvoir ranger tout ce qui est mèche, tissage et tout. Je trouve que ça ferait plus propre dans les bacs au lieu de les voir dans des sacs comme ça. Voilà. Non mais c'est pas beau comme ça. Voilà. Ouais. Regardez-moi ça. C'est pas normal. Voilà. Donc on va faire les choses proprement. On va les mettre dans les sacs, dans les bacs de rangement que j'avais pris chez Action. Voilà. Ce qui est bien, les bacs, ils passent bien en dessous du lit. Voilà. Mais par contre, ma fille, elle ne veut pas que je les garde dans sa chambre. Tout ce qui est mèche, tissage, elle ne veut pas que je les garde ici. Elle veut que je les garde ailleurs.
elle a complètement raison. C'est sa chambre, j'ai pas à encombrer sa chambre. Donc voilà, ce qu'on va faire, je vais ranger et je les ramènerai ailleurs. Voilà. Voilà, vous avez vu le bordel. Vous avez vu le bordel. Tout ça, des tissages, des rajouts et tout. Voilà, on va essayer de faire ça proprement, bien rangé. Là, vous allez voir que je vais passer la serpillière dans les placards parce que j'ai des choses à ranger. Donc, c'est pour ça que vous voyez que bah, je fais tout un peu en même temps, ce qui est un peu normal. Je ne peux pas mettre le propre sur le sale. Donc, ce que je fais, je nettoie déjà. Comme ça, je range au fur et à mesure. Restez là. En tout cas, sur cette vidéo, je vous motive à faire la chambre de vos enfants. Quand vous voyez un bordel comme ça, vous vous rendez compte un peu, c'est pas possible. Les mamans, on attaque les chambres des enfants. Allez, je vous encourage. Hein. Ça y est, garçons ou filles, on attaque le ménage et à fond. Donnez un jour, une demi-journée pour faire la chambre de vos enfants. Je vous encourage, voilà. Si vous voulez comme astuce, vous pouvez aussi prendre votre sèche-cheveux pour retirer les poussières. Ça fonctionne très bien. Voilà. Comme moi, ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Je trouve pas qu'il n'y a, pas assez de poussière. Donc voilà, avec un petit chiffon, ça le fait très bien. Quand la chambre de votre fille est rangée et bien aérée, ça lui fait aussi du bien au moral. Moi, je trouve que c'est bien. C'est apaisant, franchement. Prenez du temps, de temps en temps. Les filles, les enfants, en fait, il n'y a pas que les filles. Donc, je veux dire, les enfants, des fois, ils ne font pas toujours comme les mamans. Donc, quand vous avez le temps, demandez-leur de ranger leur chambre et essayez de faire ce qui est mieux et ce qui est gros. Dans le sens où eux, ils vont ranger peut-être vite fait, mais vous prenez du temps de faire le ménage à fond, de bien mettre des choses en place. Après, c'est vrai que nous, on vient d'aménager dans notre nouvelle maison. Donc là, je fais le rangement et l'aménagement en même temps et la décoration. Et après, c'est pas tous les jours non plus que je veux faire ça. Donc, il y aura des moments où ça va être du vite fait, où je vais lui demander de faire sa chambre toute seule. Et il y aura des jours où je ferai quand même un ménage à fond dans sa chambre. Bah, y compris celle des frères et sœurs. Voilà. Des cahiers ou des feuilles, n'y jetez rien sans demander l'avis de votre enfant. Voilà, parce que des fois il y a des cours, des fois c'est des devoirs et tout. Ne prenez pas l'initiative de jeter sans demander si c'est utile ou pas. Voilà. Les affaires, ce qu'on va faire, on va aménager ce rangement, on va faire la poussière, on va dépoussiérer, on va enlever tout ce qui est important ou sans importance aussi. On va le retirer comme ça, ça permet de bien enlever la laine. Je vais les jeter. J'en ai acheté à Auchan qui est en promotion. À la base, c'était à 20 euros. Je les ai trouvés à 10 euros. Voilà. Donc, ma fille, elle voulait une lit banquette qu'on a trouvé en seconde main. Donc, ce lit nous a coûté 70 euros. Voilà. On a cherché sur les sites et tout. On n'a pas vu. C'est ça vraiment qu'elle voulait. Donc, quand on a vu son second, on n'a pas hésité. Donc, elle a eu pour 70 euros. Voilà. C'est un lit banquette. Voilà. Donc, ça fait lit. Ça fait un peu canapé en même temps. Voilà. Elle peut s'adossier. C'est juste génial.
Donc les housses de coussin, ça vient de chez Action. Donc j'ai pris des modèles comme ça. Là. Donc là, ça vient de chez Nose. Donc les plaids, elles viennent de chez Centracor. J'ai pris aussi en jaune. C'est le même prix que je viens de dégager. Voilà, ça c'est pour mettre dans le panier. Bah tout à l'heure, voilà. Restez là, tout à l'heure. Voilà, restez là pour le rendu final. Vous allez être bluffés. Franchement, pour vous dire, je suis fière de ma fille. Franchement, je suis fière de ma fille d'avoir eu vraiment une idée exceptionnelle. J'adore le rendu final. Franchement, elle est partie sur les tons vraiment neutres. Franchement, j'adore, j'adore. Vous allez me le dire en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé, d'accord? Les boules, ça fait longtemps que j'ai les ai, ouais, vraiment, franchement, mais je pense que j'ai dû le trouver en brocante, parce que moi, j'aime bien les pépites. Moi, franchement, les pépites, j'adore. Voilà, j'aime bien vraiment avoir les choses qui sortent d'ordinaire et tout, comme ça, voilà. J'aime bien Action, hein. J'aime bien Action, j'aime bien Zeyman, j'aime bien Babou, peu importe tout ce que vous voulez. J'aime bien Maison du Monde, tout ce que vous voulez, mais j'aime bien aller chiner aussi dans les brocantes, dans les secondes mains. Je trouve qu'on trouve des belles choses. Donc, pour vous dire que je ne me rappelle plus où je les ai eu les boules, voilà. Ça ne devait pas être cher, franchement. Alors, pour finaliser la déco du lit de Delvina, justement, j'ai apporté cette petite touche avec un plateau, avec des boules naturelles. J'espère que le rendu est juste magnifique. Et sans plus tarder, bientôt, on va faire tout le tour de la chambre. Et là, j'ai un petit panier à ranger de l'autre côté, plus les fleurs de pampa. Bah oui, les fleurs de pampa, mais c'est la tendance maintenant. Voilà, quand on parle du naturel, il faut bien les fleurs de pampa. Ouais, donc ça n'a pas de ranger. Justement, je vais venir poser ce beau vase avec les fleurs de pampa. Par-dessus, bien sûr. Bon, ça, toujours, hein, la brocante. Je crois que je l'ai eu pour 2 euros ou 3 euros, pas cher. Et le peignet, bah, qui vient de chez Action. En plus, c'était la semaine d'Action. Donc, je l'ai eu en promotion à 3,99 euros. Voilà. J'aime bien par rapport au l'économie de sa chambre, parce qu'elle est franchement, c'était juste bon. Et on va venir déposer le plaid de chez Centracor à 5,99 €, dans la couleur un peu beige, crème, un truc comme ça. Par contre, je tenais quand même à préciser sur cette vidéo, il nous manquera juste le tapis, franchement, parce que ma fille, ce qu'elle recherche, elle n'a pas encore trouvé. Mais sinon, on a fait le nécessaire d'avoir déjà tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc, prochaine fois, on pensera au tapis. Voilà, une chambre sans tapis, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, franchement, je trouve que ça finit vraiment la décoration du tapis. On a rangé les placards, voilà. Donc, comme je vous avais dit, j'ai retiré les cintres en plastique, j'ai remplacé par les cintres en bois. Voilà, mais comme les cintres, ils sont un peu grands, ce qui fait que ça coince un tout petit peu quand même. Voilà, donc, j'ai mis ça. Donc là, ma fille, elle a mis les habits d'été dans ce bac, ses ceintures, ses soutiens-gorge, ses culottes dans le petit bac blanc. Et tout au fond, là-bas, elle a mis ses chaussures. Voilà, donc du coup, il faut quand même passer la main. Voilà, elle a mis ses chaussures tout en bas, les pyjamas et tout. Et tout en haut là-bas, en fait, il y a des draps. Tout en haut là-bas, il y a des draps. Et bah, là, j'ai vidé sa poubelle. Elle aime bien tout ce qui est marbre. Mais je pense que je dois investir sur une poubelle avec, couvercle, c'est mieux. Voilà, donc la même chose ici, des cintres en bois. Je
trouve que ça fait très très joli. Je t'ai acheté. Donc les cintres en bois, normalement je les avais achetés chez Stokomani, mais j'en ai complété, ça manquait chez Action. Il y en a aussi à 2,99€, si j'ai une bonne mémoire, les 6. Et l'image vient de chez Nose, je crois que 1,99€. Quand on est arrivé à la caisse, c'était à 1€. Et la petite décoration, là, ça vient de chez Centre Accord, 19,90€. Je les ai pris à une association qu'on appelle Pénélope à 1,50€ ou 2€, je ne sais plus, mais c'était pas cher. Et là-bas, ça vient de chez, comment on l'appelle, Stokomani. Non, ça, c'était Centre Accord, 19€. Et ça, c'était 14,99€, Stokomani. Le portant, ça fait un moment que je l'ai, voilà, ça doit pas être cher, c'est, je sais pas, je me rappelle plus d'où ça vient, mais c'est pas cher, voilà. Et on peut encore poser des petites choses en bas, hein, si on le souhaite. Les draps, ça venait de chez L'Éclair. Et les filles, c'est le moment, c'est bientôt les soldes. Renouvelez le linge de maison, c'est le moment, que ce soit pour vous, pour vos enfants. Moi, c'est à cette période-là, pendant les soldes, que je prends toujours les draps des enfants. Voilà, c'est le moment idéal. Auchan, L'Éclair. Voilà, ça peut être Confort But et tout. Carrefour, les draps à moins 50%. Franchement, vous tentez sur des bonnes choses et des bons plans. C'est toujours le moment que je prends les draps, moi. Toujours pendant les soldes. Moi, le premier jour de solde, ce que je prends, vous aimez mes astuces, hein, c'est les pyjamas des enfants, les draps, les chaussettes. Franchement, ça coûte tellement cher. C'est à ce moment-là, c'est par là que je commence avant d'aller chercher quoi que ce soit. Donc, on continue. Donc, ça, je vous ai dit, c'était... Nose, c'est 6€. Et les housses, ça vient de chez Action à 2,49€. Donc je vous ai dit, le plaid, c'est Centre Accord à 5,99€. Il y en a deux. Plus ça là, couleur crème. Le panier, je vous l'ai dit, c'est Action. Le vase, c'est seconde main. Les pampas, c'est seconde main, peut-être 2€. Pas cher. Hein. Voilà. C'était pas cher, je crois que ça devait être à 2€, un truc comme ça. Et du coup, le petit table de chevet, ça fait, je crois, 10 ans qu'on l'a. Oui, ça fait peut-être 10 ans qu'on l'a. Et ça venait de chez Action à l'époque. Non, pas Action. Aldi à l'époque. Il y en avait deux, mais l'autre, je sais pas. Je crois que c'était peut-être cassé ou je l'ai vendu ou je l'ai donné. J'en sais rien. Voilà. Donc, le miroir, ça venait de chez deux magasins qu'on appelait Fans à Sens. Justement, qui avait fermé ses portes définitivement. Moi, j'en avais acheté deux. C'était à 15€. Je l'avais eu, moi, à 50%. Donc, ça me revenait à 7,50€. J'en ai deux. Il y a un autre miroir que j'ai mis chez les garçons. Donc, voilà, le petit panier comme ça. Bah, c'est du vide-grenier. Hein, voilà, comme je dis toujours, il fallait faire des vide-greniers pour trouver des pépites. Donc, on peut décorer la chambre avec des choses pas chères pour un rendu juste magnifique. Encore bravo à ma fille pour cette inspiration. Franchement, cette décoration, j'adore. C'est juste magnifique. Donc, cette plante, elle vient de chez Action à 10,99€. Voilà, c'est un palmier. Je vous l'ai déjà dit, le désodorisant, même pas 2€, 1,80€ et quelques. Je crois que ça devait faire 3,49€, si je ne me trompe pas. J'en ai même pris deux. L'autre, je l'ai mis en haut. Et cette boîte, c'était dans la semaine d'Action, les promotions d'Action. Comme je vous le dis toujours, la semaine d'Action, c'est tous les mercredis, c'est en promotion à 2,49€. Donc, le tableau aussi vient de chez Action. Donc, justement, ma fille, elle a mis une petite image, voilà, qui parle de Dieu. Il y a même un verset biblique là, c'est Matthieu 28, verset 6. Voilà, si vous voulez y aller, voilà. Donc, vous avez le verset là, Matthieu 28, verset 6. Donc, ça, c'est ma fille. Elle aime tellement. Et donc là, c'est le petit cadre qu'on avait fait nous-mêmes il y a quelques temps, qu'elle a récupéré. Voilà. Et là aussi, c'est de la récup. C'était dans l'ancienne maison. Delvina, elle a récupéré. Et ça, normalement, ça vient par trois. Ça vient par trois. C'est aussi Action à 9,95€. Donc, Delvina, elle a récupéré deux. Et puis, il y a une autre boîte, on va dire une autre étagère que j'ai mis en haut. Et du coup, cette plante aussi, ça faisait longtemps qu'on l'a. Voilà, elle voulait quand même une plante qui tombe comme ça. Il m'en reste encore au moins deux ou trois. Hein, voilà, ça fait longtemps aussi que je l'ai. Donc, c'est de la récup. Et le petit panier aussi, ça faisait longtemps que je l'ai. C'est de la récup. Et les rideaux, là, j'adore. Franchement, approchez-vous, vous allez voir un peu le détail. Voilà, il y a un peu de la brillance là. Les rizérés dorés, là, j'espère que vous voyez. Et là, c'est tout blanc. Mais par contre, je voulais mettre, changer de rideau, lui mettre la couleur crème sur le côté. Je trouve ça
ça donnera encore plus de peps, voilà, par rapport à sa décoration. Je crois qu'il faut que je change les rideaux, mais pour l'instant ça va, c'est pas moche. Mais si je rajoute la couleur crème, un peu crème, caramel, beige sur le côté, sur les deux extrémités, je pense que le rendu va encore être joli par rapport à sa décoration. J'y pense à ça. Peut-être qu'on jouera encore une routine ménage dans sa chambre. Peut-être que ça va changer. Mais c'est pas mal aussi, tout blanc comme ça. Voilà. Donc, les feuilles qui viennent de chez AliExpress. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je crois que ça nous a fait 9 euros, je crois, le tout. Donc, on a collé. Et la petite lumière, ça vient de chez Action. Voilà. Il y en avait à 19 euros ou 24 euros, il y en avait pour tous les prix. Mais nous, on a pris, ça a coûté 15 euros. Il y a une télécommande qui va avec. Franchement, ma fille, elle est bien inspirée. Telle mère, telle fille. En tout cas, je suis fière d'elle. Voilà, en tout cas, la majorité d'idées, ça venait d'elle. Je l'ai juste accompagnée dans ses idées. Franchement, c'est juste top. Donc, ce miroir-là, que je voulais justement changer en blanc, au final, je l'ai laissé comme ça. Ça ne la dérange pas, ma fille. Voilà, donc c'est un miroir en métal qui vient aussi en seconde main. Je crois que j'ai dû l'acheter pour 10 euros. Voilà, je l'avais acheté, ça faisait longtemps dans l'ancienne maison. Et au final, je ne l'avais pas utilisé. Bah voilà, c'était mes pépites que je gardais justement pour notre nouvelle maison. Donc ces miroirs a dû coûter 10 euros en seconde main. Et cette chaise-là qu'on a eu aussi à l'association Pénélope, c'était à 50 euros, un truc comme ça. Voilà, on a dû le voir à moins 30%, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas mal. Niger, fresh, fresh,